tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai décidé, parce que j'avais... Je vous montre. Je prends. J'avais plusieurs... J'en ai trois exactement. Je sais pas. Petit tapis de paille, on va appeler ça comme ça. Et j'avais aussi une petite boîte avec certaines choses. Oula. Des petits oiseaux et tout ça, que je voulais voir si j'avais la place dans mon centre équestre de les installer. Et alors, pour certaines choses, et au passage rangé, parce que mon centre équestre est en bazar, et dès qu'il est en bazar, je ne peux pas faire de vidéo. Enfin, je n'arrive pas. Ça me donne pas envie, quoi, en voyant tout ce bazar. Et en même temps, j'ai aussi la flemme de ranger. Alors j'ai commencé à faire la moitié, mais j'ai décidé qu'en fait j'allais vous tourner une vidéo de rangement. Donc déjà on a ça installé en haut, mais si je vous montre en haut, tout est vide, il n'y a plus de chats parce qu'ils sont là. Parce que je vais tout ranger, voilà, parce que là franchement il y en a trop. Donc, clairement, regardez-moi tout ce tas de ce petit chat là. Donc vous imaginez, il y a... Attendez, je compte combien il y en a de chats et après je vous le dis. Il y a exactement 20 chats. Attends, on compte ensemble plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, il y a bien, bel et bien 20 chats. C'est plutôt grand. Mais il y a plusieurs petites familles en fait. Donc je vais les classer juste là par famille et je vous montre juste après. Alors en fait, on va les classer ensemble. Donc là, à chaque fois, je mets le père. Après, je mets... Alors, il y a le père et la mère. Là, il y a le père et la mère. Alors je ne sais jamais pour ces deux dans quel ordre. Eux, c'est parce que le mâle, on ne peut pas bouger sa queue. Alors que la femelle, on peut la bouger. Je vous montre. Voilà. Alors que le mâle, on ne peut pas. Elle est de moi accrochée, tiens accrochée. Et après, on a une autre petite famille. Là. Ceux-là, je vais les mettre là. Je recule. Là, il y a le père. La mère est là. Et après, il y en a qui ont déjà leur chaton. Donc, par exemple, eux, ils ont déjà les deux chatons assortis. Voilà. Après, on a aussi eux. Donc, je peux coller. Voilà. Ils ont deux chats. Deux petits chatons. Et après, on a deux jeunes chats. Avec un autre chat qui bouge la queue. Donc, en gros, on a trois mères. Moi, je dis que c'est des mères, des mamans, quoi. Donc, ces deux, ils ont deux petits chats gris. Elle a un chat debout, un chat couché. Et les deux, ils sont noirs. Et elle a... Tombez tous. Ah, attendez, je vais le relever et je vous montre. Là, elle a... Alors oui, ils n'ont pas de père, mais j'imagine bien sûr qu'il y a des pères. Plusieurs, même pères. Ah oui, elle en a un seul. Et elle, alors, je vous le montre. Elle a les yeux colorés. Et donc, c'est pour ça, elle aussi, elle les a. Je sais pas si vous allez bien voir, en fait. Mais il y a elle. Et elle, elle a les yeux verts et elle est un peu jaune. C'est les deux seules qui ont les yeux colorés. Et c'est pour ça qu'elle a au moins un enfant avec les yeux colorés. Et l'autre chatte, pareil. Oh, je vous montre après. Du coup, voilà. Donc, en plus, il y a un trait là. Mais voilà. Là, c'est ça qui sépare, en fait, les groupes. Donc, ben voilà. Et donc, ben, je vous montre un peu. Après, c'est dur pour moi de vous montrer en hauteur. Ah, j'ai une idée. Attendez.
Alors, je ne peux pas vous montrer, mais je vous ai posé sur la boîte de pansage. Alors, comme ça, c'est simple. Et aussi, j'ai oublié, j'ai un petit jouet pour chat. Là, il m'est tombé des mains. Donc, en premier, la famille des tigres, comme ça. Elle va aller là, sur le tapis que je suis en train d'installer. Je ne sais pas dans quel sens je vais y mettre comme ça. Donc, elle va aller sur ce tapis-là. C'est parti, je vous montre après ce que ça donne. Alors, sur les petits tapis, c'est trop dur de faire tenir les bébés chats debout. Du coup, je les ai mis couchés. Enfin, les petits chatons. Après, la famille suivante. Oh, vous avez trouvé ça un peu bizarre. Mais en fait, enfin, pas forcément. Mais par exemple, moi, dans mes chevaux Playmobil, il y a en fait le roi des chevaux Playmobil, c'est Spirit. Et dans le roi des chevaux Chalèche, c'est le Spirit, mais en Chalèche, bien sûr. Et aussi en chien, le dominant, donc le roi, quoi, c'est Rex, avec sa chérie Bella, et donc Spirit, avec sa chérie Elena, et l'autre Spirit avec Crystal. Et les chats, il y a pareil des dominants. Alors, moi, je n'aurais pas trouvé de nom, hein, pas à tous les chats en tout cas. Enfin, à aucun d'ailleurs. J'ai lui, le roi et la reine. Voilà. Avant que je les aie, c'était eux, mais je préfère les autres en fait. Parce que les chats noirs et de petits chatons gris, voilà. Il y en a plein, du coup, je ne vais pas en prendre un en particulier. Donc voilà, c'est pour ça. Du coup, bah, la famille des rois et reines, je vais les poser sur ce petit tapis. Voilà. Ah oui, je suis en pyjama, c'est bon. Dès que vous voyez des manches comme ça, c'est parce que je suis en pyjama. Hein. Et puis même, ce t-shirt, je peux le mettre en dehors. Voilà, j'avoue que je suis en pyjama, clairement. Il est pourtant 19h du soir et je suis toujours en pyjama. Mais bon, enfin, 10, oui, 19h, ouais. 19h05. Donc, ben je vous montre juste après, hein, comme tout à l'heure. Alors, en fait, j'ai fait comme ça. Genre, là, il y a le papa, et là, la mère, là, l'autre mère, et là, le père. Et entre eux, à chaque fois, il y a leur chaton. Après, donc, après, il reste plus qu'un tapis pour toute la grande famille. Oh, je sais pas comment je vais faire. Bon, au pire, il y en aura. Je vais faire comme s'il y avait un tapis, alors qu'en vrai, il n'y en a pas. Donc, pas dans la famille. Je vais les mettre là. Il y en a d'autres, au pire. Ils iront par terre, mais on fera comme s'il y a un seul. Parce que je n'en ai pas assez. Sinon, c'est le grand, je vais vous montrer. Sinon, c'est lui. Mais c'est pour les grands chevaux, quoi. Il rentre pas dans le haras. Enfin, pas tout en haut, quoi. Prend toute la place sinon. Donc voilà, je vais vous montrer après. Moi, j'essaye de vous montrer comme ça, mais c'est plutôt dur pour moi. Donc, je pense qu'il y a des morceaux que je sauterai. Donc, c'est parti. En fait, je pense que je vais déjà mettre certains chatons en fait. Par exemple, je vais. Or, le plus grand taille. Ben, c'est deux. Et les chatons, donc cette petite famille, je vais vous montrer comment je les installe. Enfin, je coupe et je vous montre après. Donc, j'essaye de vous montrer. Voilà, on voit pas très bien. Alors, le balcon, bien sûr, dès que je ferai qu'il y a quelqu'un qui monte par échelle, qui monte, à peine il arrive là, soit je le fais aller vers là pour aller chercher le matériel, mais si c'est pour aller au balcon, je le ferai avancer là. Mais dès que si jamais il y a trop de chats, je le ferai aller là. Et puis pouf, par magie, il atterrira au balcon. Hein, parce que sinon, ça va être trop dur. Donc, après, la suivante petite famille, ça va être ces deux. Donc, le petit chaton avec la maman. Je vous montre après ce que ça donne. Alors, bien sûr, là, vous n'avez pas très bien voir, je pense. Mais entre la mère, la première mère et la deuxième mère, il y a un espace, un gros. Hein, parce que les chatons, il faut que la mère soit en face des chatons. Et le père, si on a. Après, la suivante, ça va être elle. Donc, l'avant-dernière. La mère avec les deux chatons.
Je vous montre pas ce que ça donne. Donc là, je vous montre. Donc c'est comme ça, mais du coup, là, il n'y a plus de place sur le petit tapis de paille pour mettre la dernière petite famille. Il en reste qu'une. Du coup, je vais vous montrer comment je vais faire. Donc, du coup, j'ai fait comme ça. Donc, on imagine qu'il y a le tapis, il continue le tapis de paille. Alors oui, les parents sont en dehors du tapis, parce que premièrement, si on les chatons, il y en aura en plus qui seront à côté. Et puis parce que c'est comme si on disait, enfin, franchement, il faut avoir des parents ultra méchants, vraiment qui s'en fichent de leur enfant, parce que sinon, souvent, les parents, ils préfèrent mettre l'enfant, même s'il est petit, dans le lit, ou même dans un matelas, et eux par terre, plutôt que l'inverse. À moins que ce soit des parents très très méchants, hein, franchement. Donc, j'ai fini du coup avec le coin des chats. Alors du coup, il reste un côté, du coup je sais pas ce que je vais mettre de ce côté-là. Je sais pas. Il reste déjà ça. En fait, j'avais fait ça pour aérer, parce que moi avant déjà, j'utilisais pas les tapis. Et puis là, ils étaient tous collés jusqu'à là. Il y avait juste la famille, comme je vous ai dit, un peu qui gouverne, qui était là... tout seul, voilà, ça faisait un peu moche. Du coup, j'ai voulu changer. Donc maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai à installer dans son tricastre un peu partout. D'abord, je vous montre, parce que moi, je filme avec une tablette, donc c'est pas pratique. Mais du coup, je vous avais posé sur ça. D'ailleurs, ça, il va vraiment falloir qu'on l'utilise. Alors, oui, il y a une et deux qui sont libres. Donc en fait, je peux l'utiliser. Mais il y en a combien de mots? Là, c'est pas ce délire. Il y a une chaîne là. Mais elle est suspendue de l'autre côté. Voilà. C'est celle-là. La chipie. Du coup, en fait, il ne me reste plus qu'une chaîne à accrocher de ce côté. Et j'ai fini quoi. Du coup, j'en ai deux déjà de libre. Que... Tant pis si jamais je le fais que dans un mois. Hein. Mais au moins, j'en ai deux de libre au final. J'avais jamais vraiment fait. Gaffe, mais du coup j'en ai deux. On va dire qu'il y a une toute petite zone entre vous. Et du coup, ce petit joujou, je le mets entre l'avant-dernier roi, quoi. Et le roi du présent. Le roi d'avant et le roi du présent. Le roi du passé et le roi du présent. Donc je vous montre. Attendez. Clairement, je suis une sale. Petite andouille. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton play. Enfin, j'ai cliqué, mais ça a du mal cliqué. Du coup, je sais plus, je vous le répète au cas où, que en fait, j'ai. Là-dedans, j'en ai deux en fait de libre depuis longtemps. Donc, j'avais pas vraiment capté. Donc, il y a tout ça installé dans le centre équestre. Il y a aussi, pour ceux qui me suivent depuis au moins vendredi matin, j'ai reçu un colis de. 13h30 à peu près, que j'ai ouvert vers là. Et donc, pour ceux qui ne me suivent pas, ben c'était, pas depuis vendredi en tout cas, c'était Spartan, le cheval noir, tout noir dans ce box. Voilà, chèche. Du coup, là, on a des oiseaux, des petites fleurs. Et aussi, je vous avais dit, enfin, je l'ai dit, mais du coup, je le redis, au cas où, c'est du coup que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton play, que ça, j'imagine que c'est un poids très, très, très lourd, que même les chevaux, ils arrivent à tirer, mais avec beaucoup de mal, les chevaux chelèches, et que du coup, vu qu'ils ont des guêtres, d'ailleurs, Spartan, il va falloir que je lui en fasse, et ben, les guêtres, je peux les... En fait, c'est en moumoute, je vais vous montrer après, et du coup, je peux l'accrocher, le petit poids, et comme ça si jamais il y a un cheval qui est trop sauvage et qui risque de partir loin, ben au moins ils peuvent pas quoi, ils peuvent pas, même sauvage ou pas, mais qui veut s'en aller et qui veut le libérer en plein milieu de mais du centre équestre, ben voilà. Ou alors un petit fugueur, parce qu'il y a un cheval qui ces derniers temps arrive à enlever sa chaîne ou à ouvrir son box, et ben on lui accroche ça et puis basta. Et puis voilà. Mais donc, et ben je vais
Ça, par contre, je ne vais pas vous montrer. Hein. Ça, je vais le mettre près des écuries sèches. Enfin, je le balance. Et ça, je ne vais pas vous montrer. Mais je vous dis ce qui me reste parce qu'il y a certains trucs sûrement que je trouverai pas de place. Donc on se retrouve juste après. Alors j'ai réussi à trouver une place pour les deux oiseaux. Les fleurs, j'ai pas encore trouvé. Mais enfin, j'ai pas encore essayé d'ailleurs. Mais du coup, j'ai dû enlever une fleur pour un des deux oiseaux. Parce que du coup, il n'y avait plus assez de place dans les arbres. Enfin voilà, ça fait beaucoup. Du coup, là, je vais essayer d'accrocher les fleurs. Et puis au pire, si j'arrive pas, je les remettrai dans cette boîte et je la mettrai dans la boîte des objets Playmobil que je me sers pas. C'est parti. Donc j'ai pas réussi à trouver d'espace pour ces petites fleurs. Du coup, je les range. Mais en fait, je vais faire deux parties parce que là, avec ma mère, elle est motivée. Du coup, moi, je suis motivée à ranger. Du coup, parce qu'en fait, j'ai... attends. On a ça là, tout ça à ranger. Et peut-être même les tiroirs à trier, mais ça je suis pas sûre. Mais du coup, bah, là je vais faire la suite aujourd'hui, je pense, mais tout à l'heure. Donc je vous dis à tout de suite, enfin tout à l'heure, pour une prochaine vidéo. Bye bye!